Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, je vais aller zoomer au niveau de la santé, du bien-être, du spirituel. Pour le spirituel, je prends toujours un précieux conseil, message, encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui. Message carte. Et ensuite, après, je partage donc mon écrit. On va aller zoomer au niveau de la santé, du bien-être. Et je vais faire aussi la santé, le bien-être. Donc, pour une personne, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Et aussi pour un animal. Un animal. Aussi, ce que je peux partager comme message santé, bien-être. C'est du général, vous faites bien bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on y va, cherchez et vous trouverez. Donc aujourd'hui, on vous recommande de chercher et vous trouverez. Ou alors, ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Allez. Je partage. Alors aujourd'hui, donc c'est du général, hein, faites bien preuve de discernement. Alors pour une personne aujourd'hui, pour moi, au niveau, donc je zoome au niveau santé, bien-être. Alors pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. Je peux avoir une personne qui va avoir sur sa situation au niveau de sa santé, de son bien-être, une fin de raideur. Une fin de raideur dans tout votre corps. Donc vous pouvez avoir des raideurs sur une ou plusieurs parties de votre corps, mais en tout cas, il y a des raideurs. Vous avez des raideurs, vous souffrez de raideurs. J'ai une faim de raideur dans tout votre corps. Je peux avoir une faim de raideur. Et de douleur aussi. Une fin de raideur et de douleur. Ça peut s'accompagner soit tout le temps, soit par moment de raideur, douleur. Mais pas forcément. Des fois, ça peut être des raideurs. Des fois, ça peut être juste des douleurs. Ça peut. C'est pas toujours pour moi. Sur votre situation, pour moi, j'ai votre douleur, elle va partir. Hein. La douleur va partir à tout jamais. Et au niveau de la raideur, j'ai une fin de raideur aussi. Donc douleur et raideur vont partir. Et vous allez pouvoir. Bouger. Peut-être que vous pouvez plus bouger à cause des raideurs, à cause. Raideur, douleur, par moment, douleur peut-être. Là, vous allez pouvoir bouger, marcher. Et refaire tout ce que vous ne pouvez plus faire à l'heure actuelle. Vous allez vous sentir extrêmement bien, voyez, au niveau de votre santé, de votre bien-être, même le moral, vous, ça va remonter, tout se transforme et vous allez avoir des habitudes saines. Et vous allez vous sentir en pleine forme, en pleine santé aussi. Ça sera peut-être progressif ou pas, ça peut être d'un seul coup, hein. Parce que c'est quand même de la chaleur, c'est très très puissant, d'accord? La transformation sur votre situation, ça va être très puissant. Ça va être très puissant. Et ça va vous laisser souffler. Et après, vous allez pouvoir aussi profiter. Profiter. Vous oxygéner. Parce que pour moi, vous pouvez peut-être plus bouger, marcher ou faire tout ce que vous aimiez faire. Et vous allez pouvoir peut-être ressortir, vous réoxygéner.
Voilà, voilà. Non, j'ai aussi, faut pas que j'oublie maintenant, j'ai le deuxième message. Pour nos amis les animaux. Allez, je partage. Alors. Aujourd'hui. Alors, c'est du général, faites bien bien preuve de discernement. Alors, je peux avoir pour moi un animal qui a pu être opéré. Je peux avoir un animal qui a pu être opéré. Peut-être une opération, ça peut être une opération de la tête, au niveau de la tête. Depuis son opération, peut-être qu'il peut être avoir plus de lenteur. Alors, ça peut être des lenteurs quand il mange, quand il s'approche de vous. Ça peut être aussi dans sa marche, dans sa démarche. Il peut être beaucoup plus lent qu'avant, en fait. Il peut avoir aussi pour moi des problèmes de vue toujours présents. Sur la situation, pour cet animal, j'ai un miracle de guérison. Pour moi, cet animal va retrouver la vue. Il va retrouver la vue et pour moi, ça sera bien plus vite que prévu, qu'espéré. Et en fait, en récupérant sa vue, il va sortir aussi de ses lenteurs. Alors, ça peut être de la vue, ses lenteurs proviennent peut-être de sa vue, de son manque de vision, mais pour moi, ça peut venir aussi après, peut-être après l'opération, en fait, hein. Il peut être dans plus de lenteur, mais la lenteur va se rééquilibrer, il va sortir des lenteurs. Donc, il va se rééquilibrer et voilà, il sera ni trop lent, ni trop entre les deux, ni trop lent, ni trop... Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!